Donald. Alors, nous nous sommes donc réunis récemment. C'était le samedi 5 juin 2021. Et nous avons vu que, en fait, le président Ablaye Balde était le meilleur candidat pour les locales de 2022. Et nous, enseignants, en tant qu'éducateurs, nous allons démontrer, de par sa politique éducative, que c'est le meilleur candidat. Et en plus, il a énormément fait pour Ziguinchor en termes d'infrastructures, de sorte que, par exemple, si je donne un exemple concernant les routes, le parc routier a été presque multiplié par 4. C'est passé presque de 10 à plus de 40 km à l'intérieur de la ville. Ce qui fait que, vu aussi les chantiers en cours, nous nous comptons l'appuyer et nous allons parler aux populations. Chacun fera son rôle, parce que lui est un homme de terrain, vous le savez. Il parle peu, mais il est très efficace. Pour lui, l'efficacité prime sur la parole. Et nous, enseignants aussi, on aimerait faire autant, descendre dans les quartiers, être sur le terrain et travailler et pour l'éducation, jouer notre rôle, et pour la massification du parti, c'est-à-dire tout faire pour qu'il soit encore maire de la commune de Ziguinchor au soir du 23 janvier 2022. Nous sommes dans une coalition et nous sommes très disciplinés. Je crois que tout le monde sait que Balde a un comportement de gentleman politique. Mais au vu des autres candidats, je crois que les gens pourraient s'entendre, devraient même s'entendre sur sa candidature. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Vous invitez les gens? Oui, à se joindre à nous pour vraiment que tout le monde se mette derrière le président Ablaye Balde pour encore qu'il continue avec la mairie de Ziguinchor et terminer ses chantiers pour au profit des populations. C'est le meilleur candidat, nous pensons. Nous pensons que c'est le meilleur candidat. De la coalition. Oui, de la coalition. Parce que, comme je le dis, hein, nous sommes très disciplinés. Nous attendons. C'est notre proposition, nous enseignants. Nous voulons qu'il soit candidat. Mais au niveau de la coalition, il n'y a pas encore de décision. Mais au vu de la situation politique à Ziguinchor, nous croyons que Balde est le meilleur candidat et il a beaucoup plus de chances de passer à la tête de la commune de Ziguinchor. Mary Donald.